Alors nous allons partir aujourd'hui vers le 15e siècle pour évoquer une figure majeure de cette période. Il s'agit du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, celui qui fut proclamé à l'époque ou considéré à l'époque comme le grand duc d'Occident. Alors qui est ce personnage un petit peu oublié dans l'histoire classique qu'apprenait jadis les petits Français? On retenait davantage évidemment le personnage de Charles le Téméraire, vaincu par Louis XI, mais son père, Philippe le Bon, à beaucoup d'égards, revêt une beaucoup plus grande importance. Il est né en 1396, il est le fils du duc de Bourgogne Jean sans Peur et de Marguerite de Bavière, et son historiographe, Georges Chastelain, nous dit de lui: rien que son apparence extérieure le faisait respecter comme un empereur, et il eût mérité de porter une couronne rien que pour les grâces de sa personne. Alors évidemment, au-delà de la flagornerie que manifeste l'historiographe, c'est dire le prestige qui était accordé au personnage. Il était né en effet de sang royal, issu des Valois, puisque l'on se souvient que Jean II le Bon avait donné en apanage à son fils Philippe, qui avait gagné son surnom de Philippe le Hardi à la bataille de Poitiers. On se souvient la fameuse formule: père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite. Eh bien, Philippe le Hardi avait eu ensuite comme fils Jean sans Peur, et Philippe le Bon, donc, était le fils de ce Jean sans Peur. C'est sous son règne que l'on constate l'apogée d'une très vaste principauté aux frontières mouvantes qui allait du Jura jusqu'à la mer du Nord, hein, cette grande Bourgogne qui comprenait la Bourgogne proprement dite, mais aussi les Pays-Bas et une partie également de l'actuelle Hollande. Cet État, il va apparaître comme la grande puissance de la première moitié du 15e à beaucoup d'égards. Hein. Il va jouer un peu un rôle d'arbitre dans l'Europe de cette période, hein, au moment où France et Angleterre s'épuise dans l'interminable guerre de Cent Ans, qui se termine par la défaite de l'Angleterre. Cela dit, ce duc, par la grâce de Dieu, selon la titulature qu'il s'accorde, ne portera jamais de couronne, il ne sera jamais roi, mais il n'empêche qu'il apparaît comme la personnalité politique la plus importante de son temps à beaucoup d'égards. Alors ce grand duc d'Occident, il va entretenir bien sûr des relations avec la France, des relations compliquées, hein, puisque en 1407, son père Jean sans Peur va faire assassiner Louis d'Orléans. Hein. Il va faire assassiner Louis d'Orléans ça va être l'origine d'un conflit que l'on connaissait bien, qu'on a oublié aujourd'hui, le conflit des Armagnacs et des Bourguignons. Et dans le cadre de ce conflit, eh bien, la vengeance viendra du meurtre de Louis d'Orléans, puisque Jean sans Peur sera lui-même assassiné sur le pont de Montereau en 1419. Hein, c'est Tanguy du Châtel, l'un des fidèle de Louis d'Orléans qui punit ainsi le duc de Bourgogne de l'assassinat de Louis, et cela avec l'approbation du dauphin Charles, celui qui va bientôt devenir le roi de Bourges. Alors le résultat, c'est que le jeune duc de Bourgogne, Philippe, qui succède à son père en 1419, hein, il a à l'époque 23 ans seulement, eh bien il va confirmer bien sûr l'alliance anglaise, d'autant que, on le sait, la monarchie française traverse à l'époque une période de faiblesse extrême, hein, du fait de la folie de Charles VI, hein, et la même année, en 1419, Philippe épouse Michel de France, qui est une fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Alors ce meurtre de Montereau
va peser lourd pour lui. Il portera toute sa vie le deuil de son père. Pendant longtemps, les relations avec la France, évidemment, vont être marquées par cet épisode, quand Charles VII, notamment, va prendre la succession de son père disparu. Hein. L'alliance anglo-bourguignonne va être un élément majeur de cette période, ce qui va contribuer à aggraver la crise dynastique française, puisque dès 1420, lors du désastreux traité de Troyes, eh bien, Charles VI, on le sait, a déshérité son fils Charles et a accepté que la couronne puisse revenir aux descendants du roi d'Angleterre Henri V, marié à sa fille. Hein, c'est un moment évidemment décisif qui voit comme perspective la fin de la monarchie française, puisque c'est une réunion des deux royaumes français et anglais sous la coupe des Anglais qui est en train de se dessiner. Or, Philippe a apporté son accord à ce traité de Troyes. Il a parrainé ce traité de Troyes. Il va même encore plus loin, puisqu'il va marier sa sœur Anne avec le régent anglais, le duc de Bedford, hein, régent pendant la minorité du jeune Henri VI, qui est appelé normalement, d'après les clauses du traité de Troyes, à devenir roi de France. Cela dit, Philippe garde quand même une certaine distance vis-à-vis de son allié. Il refuse ainsi l'ordre de la Jarretière que voulaient lui octroyer les Anglais, car cela signifierait pour lui s'inféoder davantage à l'Angleterre et il entend quand même conserver sa liberté d'action. Cela dit, l'alliance anglaise demeure, il va combattre contre le roi de Bourges, Charles VII, il va combattre contre Jeanne d'Arc, puisque ce sont, on le sait, des bourguignons qui vont s'emparer de Jeanne à Compiègne et la remettre ensuite aux Anglais pour le procès qui aura lieu à Rouen. Mais cette alliance anglo-bourguignonne, elle trouve quand même ses limites parce qu'il se trouve que l'Angleterre apparaît en concurrence, en compétition avec les Pays-Bas bourguignons sur le terrain économique. Hein. Pendant très longtemps, les Pays-Bas importaient la laine anglaise et la transformaient dans les ateliers textiles de Gand, d'Anvers et d'ailleurs. À partir du XVe siècle, les Anglais eux-mêmes se mettent à fabriquer eux-mêmes leurs produits, et de ce fait il y a une compétition entre les deux rives de la mer du Nord, et cela n'échappe pas évidemment à Philippe le Bon. Le résultat de cela, c'est que il mesure bien les limites de cette alliance anglaise, et il va y mettre de fait un terme en 1435, en concluant le traité d'Arras avec Charles VII, hein. À ce moment-là, un rapprochement s'opère entre la France et la Bourgogne. Et à partir de là, Philippe apparaît, alors que la guerre de Cent Ans se poursuit, encore une fois comme l'arbitre de l'Europe occidentale, car il règne sur un espace tout à fait conséquent, sur un ensemble territorial qui s'est rapidement constitué, même s'il apparaît un petit peu hétéroclite. En effet, que trouvons-nous dans cet État bourguignon? Il y a le cœur initial de l'État, hein, le duché de Bourgogne, de Dijon, la comté de Bourgogne, la Franche-Comté ultérieure, hein, avec Dole. Il y a le comté de Flandre, surtout, hein, avec ses riches villes textiles et marchandes. Au duché de Bourgogne, il faut ajouter le comté de Nevers, hein,
en continuité territoriale avec lui. Entre les deux, le Barrois, et sous la coupe également des Bourguignons. Ça, c'est ce que trouve Philippe le Bon quand il arrive au pouvoir, quand il succède à Jean sans peur. Mais il faut ajouter sous son règne, à travers une politique habile, fondée parfois sur une politique matrimoniale, il faut ajouter à tout cela le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le duché de Luxembourg, la Picardie, sans oublier le fait que les Bourguignons disposent d'une influence dominante sur l'évêché de Liège ou sur une ville hollandaise comme Utrecht. Viendront s'ajouter à ces territoires qui ont été rattachés à l'époque de Philippe le Bon, sous le règne de son successeur Charles le Téméraire, eh bien, le duché de Gueldre aux Pays-Bas, et puis une partie de l'Alsace également. Donc une très grande principauté qui s'étend donc du Rhin et puis de la Suisse pratiquement, du Jura jusqu'à la mer du Nord, avec des provinces très riches, hein, avec ces Pays-Bas qui sont un des cœurs économiques de l'Europe de l'époque. Alors il y a de grandes différences que l'on constate dans cet empire bourguignon, car il est d'une grande diversité, mais il y a quand même une réelle cohésion qui s'opère autour du duc, étant donné le prestige considérable dont il jouit à l'époque. Et Philippe le Bon va s'efforcer de mettre en place des organismes centralisateurs dans certains domaines, comme la justice et les finances. C'est sous sa houlette que va se constituer l'université de Dole dans la comté de Bourgogne. C'est important, hein, ça manifeste pour cette principauté des ambitions qui sont celles de tous les grands États modernes en constitution. En plus, il sait s'entourer de conseillers précieux et efficaces. On en connaît surtout un, Nicolas Rollin, qui va s'occuper des affaires du duché pendant 40 ans, de 1422 à 1462. 40 ans de pouvoir. Hein. Ce chancelier Rollin, nous le connaissons bien, hein, à cause de son mécénat. On le connaît évidemment à travers le tableau de Van Eyck, où il est confronté avec la Vierge, conservée aujourd'hui au Louvre. On le connaît à travers le jugement dernier de Roger Van der Weyden, Roger de la Pasture, qui se trouve à l'hospice de Beaune. C'est un personnage très important dans son époque et dont le pouvoir vient du fait qu'il va appliquer méthodiquement les projets, les idées du grand-duc d'Occident. Hein. La mise en pratique, la mise en œuvre, ça va être le fait du chancelier Rollin et de son personnel politique, administratif, alors que Philippe, lui, va se consacrer essentiellement à développer le prestige de sa cour, qui est une cour brillante, sans doute la plus fastueuse d'Europe à l'époque. Hein. Ce modèle de la cour bourguignonne annonce déjà ce que seront les cours princières ou royales de la Renaissance. Hein. Elle est connue dans toute l'Europe, admirée dans toute l'Europe. Le duc est un mécène généreux. Hein. On a parlé des peintres flamands tout à l'heure. On peut évoquer Klaus Luther et les sculptures de la Chartreuse de Chambol, par exemple. Mais au-delà du mécénat, il y a aussi tout un effort de glorification du prince. Hein. On va créer ainsi une charge d'historiographe de la maison ducale, hein, ce qui témoigne donc d'un souci d'exaltation du pouvoir qui est d'une nature nouvelle. Toute cette vie cour s'organise autour de toute une liturgie ducale avec une étiquette rigoureuse qui se met en place avec des fêtes, avec des tournois, des joutes, une vie de cour donc qui contribue au prestige reconnu du prince. Cette cour, elle est avant tout
animé sur le plan de l'idéal ou de l'idéologie par l'idéal chevaleresque. L'idéal chevaleresque dont témoigne un certain nombre d'événements. On va voir ainsi créer en 1430 à Bruges l'ordre de la Toison d'Or, hein, qui est le grand ordre bourguignon, hein, qui sera hérité ensuite par les Habsbourg, hein, qui en descendent. Et cet idéal chevaleresque, cela passe aussi par l'idée de croisade, par l'entretien en quelque sorte de l'idée de croisade. Ce thème est extrêmement cher à la cour bourguignonne. Cela renvoie à la croisade manquée de Nicopolis en 1396, hein, on se souvient, alors que les Turcs menacent l'Europe, la défaite serbe de Kosovo date de 1389, le roi de Hongrie, Sigismond, premier concerné, va mobiliser une armée de croisés dans laquelle nous allons retrouver de nombreux princes français, notamment Boucicaut, et puis surtout le jeune Jean sans peur, hein, le duc de Bourgogne, et cette armée sera complètement vaincue par les troupes du sultan Bajazet Ier l'Éclair, Bayezid el-Dirim, lors de la bataille de Nicopolis. Mais cela fait partie de tout l'imaginaire, de tout l'idéal chevaleresque, évidemment, qui anime cette cour bourguignonne. Alors tout cela est évidemment relancé, on s'en doute, après la chute de Constantinople qui survient en mai 1453. L'émotion est évidemment très grande en Occident, même si les États occidentaux n'ont pas fait grand-chose pour venir soutenir l'Empire byzantin finissant. Et en 1454, lors d'un banquet qui se tient à Lille, eh bien, c'est là que va être prononcé le fameux vœu du Pan, selon lequel les convives s'engagent à aller combattre l'ennemi ottoman pour reconquérir en quelque sorte le terrain perdu. Mais il y a un grand fossé entre le rêve chevaleresque qui anime cette cour et puis la réalité de cette fin du XVe siècle. On le voit également dans le goût prononcé pour les parures, les blasons, les emblèmes, l'héraldique, hein, qui est propre à cette cour bourguignonne. Mais tout cela, cet idéal chevaleresque, on le met en œuvre au moment où la guerre de Cent Ans finalement a signé l'arrêt de mort de la noblesse féodale traditionnelle. Alors, cela dit, la Grande Bourgogne est riche, c'est une puissance. Elle aurait pu envisager de reconstituer l'ancienne Lotharingie, qui était apparue au traité de Verdun, on s'en souvient, de 843. Mais le successeur de Philippe le Bon, Charles le Téméraire, va échouer dans ce projet, on le sait. Il est vaincu par les milices suisses à Grandson, à Morat, et ensuite son aventure va se terminer en Lorraine, sous les murs de Nancy, en 1477. Entre-temps, eh bien, Philippe le Bon est mort à Bruges, lui, 10 ans plus tôt, en 1467, à l'âge de 71 ans, et après 48 ans de règne, ce qui est évidemment tout à fait énorme pour l'époque. Alors, quelles ont été les destinées de la Grande Bourgogne après lui? L'idéal bourguignon a été hérité d'une certaine manière par Charles Quint, hein, Charles Quint, qui est issu de la maison de Bourgogne, puisque sa grand-mère, Marie de Bourgogne, fille du Téméraire, avait épousé Maximilien de Habsbourg. Leur fils Philippe le Beau avait épousé Jeanne la Folle, la fille des rois catholiques d'Espagne, et c'est de cette union qu'est né Charles Quint en 1500 à Gand, qui deviendra roi d'Espagne en 1516 et empereur en 1519. Alors, les Habsbourg seront dans une large mesure les héritiers de l'idéal bourguignon, hein, ce que l'on peut opposer à la politique déjà machiavélienne, une politique de moderne qui était déjà celle de Louis XI et qui sera celle de François Ier. Mais on sait qu'au bout du compte, l'empire de Charles Quint ne sera pas viable.
stable, il se partagera entre l'Espagne et l'Autriche, et puis surtout, eh bien, il devra tenir compte de la montée en puissance de la France des Valois entre Louis XI et Henri II. Vous avez peut-être envie de posséder une Mercedes. Ça arrive à beaucoup de gens. Non, pas Philippe, bon, bah tant pis. Mais beaucoup de gens aiment les Mercedes. Mais connaissez-vous l'histoire de cette marque? Eh bien, c'est très complexe. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain monsieur qui s'appelle Émile Jelinek et qui n'a rien inventé du tout, mais c'est quand même lui qui a trouvé le nom Mercedes. Et l'histoire de la marque Mercedes, c'est en fait la réunion d'Émile Jelinek, de Carl Benz, de Gottlieb Daimler et de Wilhelm Maybach. Mais commençons par Jelinek. Alors Jelinek, il est né d'une famille qui est issue de Moravie, mais il est né à Leipzig. Il est austro-hongrois. Il est né dans une famille extrêmement cultivée. Les parents sont des gens vraiment érudits, ses frères aussi. Et lui, c'est le cancre, c'est le vilain petit canard. Il ne veut rien faire, alors que ses frères sont professeurs d'université comme le papa. Les parents sont désespérés. Il ne fait que des bêtises. On le met en pension. La pension reçoit un jour le prince de Sonnenberg qui vient visiter. Et trois jours après, les parents de Jelinek reçoivent la visite de la police qui disent « Regardez ce que votre fils a envoyé au prince, une carte postale représentant un âne avec écrit derrière d'une grosse écriture enfantine, le prince est un âne ». Bon, ça s'arrange parce que le papa a des bonnes relations, mais ils ne savent plus quoi faire de ce gamin qui ne fait pas d'études, qui de toute façon ne s'intéresse qu'au commerce et finalement ils l'envoient en Afrique, à Tétouan. Et puis après, à Rabat, Alger, etc. Il arrive à Tétouan chez une famille amie austro-hongroise, chez le consul en fait de l'Autriche-Hongrie, et lui-même sera très intéressé par la diplomatie et finira consul de son pays. Mais là, il n'est encore que... allez dire, un fils à papa, Mila, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Il monte à cheval pour épater la galerie et tombe violemment et se casse le pied d'une façon très mauvaise. Et il a 19 ans et se matérialise devant lui une très jolie fille qui est à la fois espagnole, un peu française. On dit que c'est une fille naturelle du maréchal Camp Robert, enfin bon, quelque chose comme ça. Elle le prend dans ses bras, elle est incroyablement costaud. Et elle le ramène chez elle pour qu'il soit soigné chez ses parents. Il finira par l'épouser l'année d'après. Cela dit, il va garder une canne et une claudication toute sa vie de ce brillant épisode cavalier. Alors, il est quand même extrêmement intelligent. Il épouse sa belle Rachel. On dit qu'elle est espagnole. Bon, je ne sais pas trop si elle était vraiment espagnole. Ils auront trois enfants, dont la dernière, une petite fille en 1889, qui va s'appeler Adrienne Manuela Ramona Mercedes. Et Mercedes, ça appelle la Vierge, en fait, la Vierge de Merci. Et ça sera sa petite fille chérie. Il travaille dans les affaires, il fait fortune très très vite, mais vraiment très vite. Donc à 25 ans, il est richissime. Par exemple, juste un exemple pour montrer quand même l'invention de cet homme-là. À la Foire universelle de Vienne en 1873, il a un stand qui marche très bien. Et vous savez ce qu'il vend? Eh bien, des maisons suédoises en bois préfabriquées. C'est Ikea avant la lettre, quoi, en fait. Et puis, il va très vite se passionner pour les débuts balbutiants de l'automobile, parce qu'on est encore très tôt. Donc, il va d'abord acheter ce qui semble être le premier vélo, et puis il va s'intéresser à l'automobile, et il va acheter à Carl Benz, un ingénieur allemand, sa première voiture à quatre roues, la Victoria. Alors Carl Benz, il est beaucoup moins flamboyant que Jelinek. Lui, c'est un Allemand très sérieux qui travaille et qui invente le tricycle Théo, un monocylindre qui fait du
15 km/h dans les descentes. Et il travaille beaucoup, mais il n'a pas la vision qu'il faudrait. Heureusement, il a une femme qui s'appelle Bertha. Ça se faisait beaucoup à l'époque en Allemagne. Et Bertha, elle a peur de rien. Et Bertha, un jour, elle est tellement énervée par le côté pusillanime de Karl Benz qu'elle prend le fameux tricycle qu'il a amélioré, plus ou moins, qui est devenu presque une voiture. Et elle fait 104 km, alors que jusque-là, lui, il avait osé faire que le tour du pâté de maison, et encore. Parce que ça s'arrête sans arrêt, il faut acheter de la benzine dans les pharmacies, il faut remettre de l'eau régulièrement. Enfin, c'est un travail incroyable, et Bertha arrive à faire 104 km, s'est lancée, et Benz ne s'arrêtera plus. Donc, Jelinek s'intéresse à la création de Benz et il va surtout s'intéresser aux créations d'un autre ingénieur qui, lui, a vraiment inventé le moteur à combustion, moteur à explosion, c'est Gottlieb Daimler. Alors, Daimler, aujourd'hui, c'est plutôt lié à la marque Jaguar, mais en fait, non, c'est un Allemand bon teint et c'est lui qui va vraiment inventer ce qui va donner la voiture moderne. Et Jelinek, il a pris sa retraite très tôt, parce qu'il était richissime, il n'avait plus rien à prouver. Il s'installe entre Vienne, Baden et Nice, il adore Nice. Alors bon, il a une silhouette un petit peu reconnaissable, il a très peur du soleil depuis l'Afrique, donc il a toujours un casque colonial sur la tête, il a sa canne, et puis il est riche, et puis voilà, il se passionne pour les voitures, donc il va commencer à faire des courses. Il va visiter l'usine Daimler, va trouver ça sensationnel. Il écrit « Je sens que la voiture, ça va dominer le siècle qui vient. On pourra aller où on voudra, quand on voudra, comme on voudra. Je le sens. » Et il commence à gagner les premières courses à Nice avec les voitures Daimler et il court sous le prénom, enfin sous le nom de Mercedes, le nom de sa petite fille, à tel point qu'il va commander finalement en 1898 des voitures à Daimler. Et il leur dit, je veux telle voiture. C'est lui qui dit, je veux la caisse comme ça. Il va inventer en fait l'idée moderne de la voiture. Jusque-là, c'était encore très haut sur pattes, très tremblotant. Et ces voitures vont s'appeler des Mercedes. Alors, il va faire partie du conseil d'administration Daimler, Benz et Maybach, parce qu'il y a aussi le meilleur ami de Daimler qui s'appelle William Maybach, qui lui va quitter assez vite l'aventure, va rejoindre le comte von Zeppelin, et qu'on va retrouver plutôt dans les Zeppelins, dans les dirigeables. Jelinek, lui, ne restera dans le conseil d'administration que quelques années. Très vite, il passe à autre chose. Entre-temps, en 1909, il y a eu la création de l'étoile Mercedes, vous savez, cette fameuse étoile comme ça. En fait, c'est amusant, ça vient d'une carte postale que Daimler avait envoyée à sa femme et il avait fait un dessin pour montrer où était l'usine et où était sa maison et où était le restaurant où il déjeunait. Et ça faisait cette étoile. Et puis il s'est dit, oh tiens, c'est pas mal, il a retrouvé cette carte postale. Et il s'est dit, mais ça représente tout à fait ce que je veux, c'est-à-dire un moteur qui puisse aller sur terre, sur l'eau et dans l'air, et c'est l'étoile Mercedes que nous connaissons aujourd'hui. Pendant la guerre, Jelinek est obligé de quitter Nice, parce qu'il est quand même, évidemment, austro-hongrois, il est autrichien, donc il va vivre à Genève, où il mourra en 1918. Et puis, le nom Mercedes va rester. Et en 1926, ça sera officiellement la fusion Mercedes, Benz et Daimler. On ne garde que le nom de Mercedes. Et l'histoire va continuer. Ils vont recruter quelqu'un de connu aussi, qui est Ferdinand Porsche, hein, celui qui va inventer la coccinelle. Mais ça, c'est une autre histoire. Et la fondation de Porsche, ça sera en 1948 seulement. Une histoire incroyable, et quand vous verrez des Mercedes, et bien pensez à ce cancre, Émile Jelinek, et à sa fille, qui finalement, c'est très bien qu'on ait gardé Mercedes et pas Ramona. Vous imaginez si on roulait dans des Ramona, ça serait moins chic quand même. Le
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Mourlet, qui vient de publier aux éditions Séguier Une vie en liberté. Hein, une vie qui couvre plus d'un demi-siècle de rencontres toutes plus passionnantes les unes que les autres, avec des écrivains, avec des artistes, avec des personnalités hors du commun. Michel Mourlet, c'est un romancier, un essayiste, un écrivain, un auteur de théâtre, qui s'est intéressé beaucoup à l'histoire du cinéma, également à l'histoire de la littérature, hein, qui a été notamment, qui a collaboré notamment à la regrettée revue de Raymond Bourgine, Spectacle du Monde, disparu depuis peu. Et nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui pour évoquer donc une période qui va en gros des années, la fin des années 1950 jusqu'au début de notre siècle, hein, période au cours de laquelle, eh bien, il a eu l'opportunité de rencontrer toute une série de personnalités d'exception à propos desquelles nous allons nous entretenir avec lui aujourd'hui. Mais d'abord, Michel Mourlet, pour vous situer dans toute cette longue période, vous êtes d'abord un enfant de la Seconde Guerre mondiale, des années 40-50. Quel regard portez-vous sur cette période de votre enfance, de votre adolescence ? Je suis né en 1935, donc j'avais 4-5 ans quand les événements que vous évoquez ont commencé à se produire, et j'ai évidemment vu la guerre par le petit bout de la lorgnette, une lorgnette d'un petit garçon, qui finalement s'est beaucoup amusé pendant ces années-là, ce qui n'était évidemment pas le cas des adultes, mais de mon point de vue, l'occupation n'a pas été une époque très désagréable, finalement. Bien que, comme j'avais vécu tout de même quelques années auparavant, jusqu'en 1939, nous avions droit au chocolat, aux oranges, à des choses de ce genre, qui ont disparu après pendant 4 ans, et j'avais des souvenirs un peu vagues, mais tout de même des souvenirs olfactifs ou gustatifs, qui me faisaient rêver parfois, et espérer que ça reviendrait. Et alors, après cette période donc charnière dans notre histoire, que fut cette Seconde Guerre mondiale, vous êtes d'emblée, dans votre adolescence, dans votre jeunesse, entraîné aussi dans une nouvelle séquence qui demeure quelque peu agitée, d'histoire chaude, si l'on peut dire, à travers les questions comme les guerres de décolonisation et notamment la question algérienne. Oui. Alors, il faudrait peut-être que je dise deux mots de mon itinéraire personnel dans ce domaine. J'ai commencé, enfin jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, même presque arrivé à 20 ans, j'étais vraiment très à gauche. Pourquoi étais-je très à gauche ? Parce que mon père était très à droite. Et que... Classique. C'était un classicisme qui aujourd'hui me consterne, mais à l'époque je ne me frappais pas, évidemment. Et j'avais en plus des professeurs, parce que l'université française commençait à être sérieusement gangrénée, si je puis dire, par le marxisme. Et j'ai eu notamment en classe de philo un professeur qui s'appelait Gilbert Murie, qui a laissé un nom d'ailleurs dans le militantisme de gauche, qui a publié pas mal d'ouvrages de sociologie, de politique, etc., et qui nous a enseigné, entre autres choses, que Staline était un grand philosophe, puisque nous étions en classe de philosophie, on parlait de philosophie, forcément, et que Staline était un grand philosophe dont les œuvres pesaient d'un poids considérable sur la pensée moderne. Alors évidemment, moi, j'ai pris ça pour argent comptant, ça allait tout à fait dans mon sens, puisque je m'opposais à mon père, donc j'achetais l'humanité, j'en raconte ça dans mon livre, je déployais dans le métro avec l'impression que j'étais en révolution, vraiment, contre le monde entier. Et puis finalement cette période
s'est apaisé dans ma tête. J'ai commencé à regarder un peu autour de moi et à comprendre ce qui se passait autrement que par les affirmations de nos professeurs ou de certains de nos camarades. Bon. Et petit à petit, entre 20 et 21 ans, mes yeux se sont dessillés, en quelque sorte, et j'ai fini par comprendre que je n'étais pas du tout à gauche, mais plutôt vraiment à droite. Voilà. et alors, à la suite de cela, évidemment, la guerre d'Algérie a commencé. Il faut que je vous dise aussi un mot de mon itinéraire militaire, qui est quand même assez peu banal, j'en parle pas du tout d'ailleurs dans mon livre. J'ai fait 3 jours de service militaire. Bon, pourquoi ? Parce que la guerre d'Algérie s'est terminée en 1955. Bon, moi j'étais. L'Indochine, pardon, excusez-moi. L'Indochine, oui. La guerre d'Indochine s'est terminée. Moi j'ai été appelé sous les drapeaux, si on peut dire ça, juste au moment où la guerre s'était terminée et la guerre d'Algérie n'était pas commencée. Bon, on n'avait plus besoin de soldats et il se trouve que j'avais été assez malade au moment de la visite médicale, donc ils n'ont pas voulu de moi. Ils m'ont demandé, je disais, mais si, je voudrais bien, parce que, en plus, il y avait mon père derrière moi, je me suis dit, mais alors si je reviens à la maison, je lui dis, je serai formé, c'est la catastrophe, eh bien, je l'ai été. Et finalement, alors que 2 ans plus tard, ou l'année suivante, j'aurais été pris, évidemment. Malgré tout, j'avais eu quelque chose de qui n'était pas grave, mais en fait, qui m'avait beaucoup amaigri. Bien. Enfin bref, je n'ai pas fait de service militaire, sauf 3 jours à Vincennes, qui m'ont d'ailleurs laissé un très fâcheux souvenir. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'étais resté 2 ans, mais enfin bon, voilà. – Alors, votre père s'en est remis ?– Mon père s'en est remis, voilà, oui, il fallait bien, tout de même, il m'a pas chassé pour autant, mais ça m'a évité tout de même de perdre 2 ans, il faut bien le dire, alors que mes camarades, tous, sont passés par là, et je suis rentré dans la vie active beaucoup plus rapidement. Donc, tout ça pour vous dire que quand la guerre d'Algérie a commencé, j'étais déjà convaincu que la présence française dans nos colonies était quelque chose de positif, et j'ai beaucoup souffert naturellement de la tournure qu'ont pris les événements. Ces événements m'ont paru très, très dommageables, enfin, pour l'armée, pour toutes sortes de raisons. On a demandé aux officiers, aux généraux notamment, d'obéir à des ordres contre lesquels ils voulaient se révolter. Et après leur avoir donné comme exemple le général de Gaulle, qui lui-même s'était révolté contre les ordres qu'on lui donnait. Alors j'ai trouvé qu'il y avait un manque de logique là-dedans. Et de morale militaire qui m'a beaucoup choqué. J'étais donc évidemment pour l'Algérie française. Bon. Et puis après, j'ai réfléchi aussi à tout ça et je me suis rendu compte que malheureusement, il n'était pas possible de conserver un empire alors que tous les autres empires étaient disloqués, que l'Angleterre elle-même ne pouvait pas conserver le sien, alors que vraiment, ils ont une ténacité, les Anglais, que nous n'avons pas. Et que finalement, Franco et Salazar, eux, qui étaient crispés sur leur colonie, n'en ont pas eu vraiment. On n'a pas pu dire que ça leur a réussi. En réalité, il fallait effectivement décoloniser, plus ou moins, mais il y avait peut-être une autre façon de le faire. D'autres manières. Voilà, il y avait une autre manière de le faire. Et là, je trouve que De Gaulle a été vraiment d'une brutalité presque impardonnable, on peut le dire. Mais que sur le fond, il n'avait pas tort. Voilà, sur le fond, il fallait s'en aller. Ça se discute. Ça se discute, non, mais c'est sûr. Mais bon, moi, j'ai vraiment
pris l'abandon de l'Algérie comme une espèce de nécessité, non seulement géopolitique, parce que c'était le monde entier était contre nous, autrement, hein, non seulement les Russes, mais les Américains aussi, on l'a vu avec l'affaire de Suez et tout ça, ils étaient vraiment d'accord pour nous éliminer de nos possessions. Donc, une nécessité géopolitique et puis une nécessité économique aussi, parce que comme il voulait, le général, fabriquer la bombe atomique, il ne pouvait pas à la fois, la France ne pouvait pas à la fois financer la guerre d'Algérie et financer la bombe atomique. Je crois qu'il y avait là une espèce d'impossibilité qui a résolu comme ça. Cela dit, je comprends très bien, et d'autant mieux que j'ai éprouvé moi-même la nostalgie et la souffrance et la fureur même des gens qui sont restés fidèles à l'Algérie française, bien entendu. Alors, une fois ces aléas historiques dissipés, nous sommes dans les années 60, dans une France à nouveau pacifique, et vous allez vous insérer très vite dans le monde intellectuel de l'époque, hein, le monde des écrivains, le monde du cinéma, et du fait des orientations que vous venez d'évoquer, on va vous retrouver très proche de ce que l'on appelle à l'époque soit la droite buissonnière, pour reprendre le terme de Paul Vendrome, soit les hussards, pour désigner les gens qui sont autour de Roger Nimier. Derrière tout cela, un homme qui est un peu à la manœuvre, que vous avez bien connu, qui est Roland Lodenbach, aux éditions de La Table Ronde, qui sont un peu à l'époque le rendez-vous de toute une foule de dissidents divers, hein, des gens que l'on retrouve aussi dans une revue bien oubliée aujourd'hui, qui était L'Esprit Public à cette époque-là. Quel souvenir avez-vous de cette séquence-là ? Bien, j'ai un souvenir tout à fait agréable, je dirais, et d'une époque qui est inimaginable, je crois, aujourd'hui. J'ai eu la chance donc d'entrer à la Table Ronde en 1962 pour mon premier livre. J'ai connu Roland un peu avant, mais enfin je suis vraiment rentré à la table au moment de la publication de mon premier roman, qui avait été accepté par Michel Déon, qui était directeur littéraire à l'époque, et j'avais été évidemment poussé vers Michel Déon par André Fregnaud, que j'avais connu avant, et qui est un écrivain que j'admirais infiniment, et que j'avais rencontré donc là à la fin des années, à la fin de 1959, je crois, alors que j'étais au Cahier du cinéma. Et j'avais connu Fregnaud pour la raison suivante, c'est que au Cahier du cinéma, nous avions envisagé un numéro spécial sur Jean Cocteau, que Fregnaud avait beaucoup connu, et je savais que Fregnaud s'intéressait au cinéma, il avait fait des entretiens avec Cocteau autour du cinématographe, ça s'intitulait comme ça, et que donc il y avait des choses à dire sur Cocteau et cinéma, alors que Cocteau était en train de tourner, ou allait commencer à tourner, Le Testament d'Orphée. Donc tout ça se combinait très bien pour que je puisse aller voir Fregnaud, j'avais une entrée en matière, et donc j'ai tout de suite, j'ai compris que Fregnaud était quelqu'un dont j'étais proche, et qu'on s'entendrait très bien, et tout ça me restait amis pendant 30 ans, je dirais. Voilà. Et donc Fregnaud, m'a amené à Michel Déon avec mon roman, et c'est comme ça que je suis entré à la Table Ronde. Alors effectivement, il régnait à la Table Ronde une atmosphère très, je garde en souvenir comme très agréable. Et je ne sais pas si c'est la même chose pour tous les anciens de la Table Ronde, mais enfin pour moi, ça l'est. Et Roland était le roi de cette. Il y avait ses chevaliers autour de la Table Ronde, n'est-ce pas, et lui-même présidait. C'était le roi Arthur. Voilà. Et j'ai gardé évidemment un souvenir tout à fait agréable de mes contacts avec Roger Nimier.
avec Antoine Blondin aussi. Jacques Laurent, je l'ai un peu moins connu, mais tout de même, je l'ai croisé assez souvent. Et tous ces gens-là, il y avait une espèce de connivence entre eux, de complicité très chaleureuse, finalement. Ça devait être totalement étincelant au point de vue intellectuel. Ah oui, ça oui. Ça devait être merveilleux. Absolument. Et puis, il y a le monde du cinéma aussi, en même temps, que vous côtoyez avec oui, passion. Oui, parce que j'avais un pied dans le cinéma et un pied dans la littérature. Oui. Difficile de demander mieux, là. Bah, voilà. J'avais même eu une main sur des pinceaux qu'on se préparait, les arts décoratifs. Donc, oui, j'avais quand même quelques cordes. Des horizons divers. Des horizons divers, voilà. Et effectivement, le cinéma, bon, j'ai commencé par là finalement, puisque j'ai commencé à publier des articles sur le cinéma avant de publier mon premier livre à la table ronde. J'avais commencé dans les années 57-58 à publier quelques articles, d'abord dans les petites revues de cinéma, qui à l'époque publiaient. Et ensuite, je suis entré au Cahier. Alors bon, j'ai d'abord écrit des articles à la NRF, sous l'égide de Jean Paulhan, qui m'avait un peu adoubé à la NRF. Jean Paulhan, vous décrivez comme une vieille chouette déplumée, si je me souviens bien. Oui, c'est l'impression qu'il m'a faite. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez connu, Paulhan. Non, je ne l'ai pas connu. J'ai vu des photos. Oui, vous étiez trop jeune pour ça. Mais... Pourtant, la première fois que je l'ai vu, alors c'était très curieux parce que non seulement il y avait ses petits cheveux ébouriffés au-dessus des oreilles, il marchait d'une manière chaloupée comme ça, un peu en tournant sur les talons. Comme un échassier maladroit, si vous voulez. Ça m'avait beaucoup impressionné. En plus, il avait une voix très haut perchée. Un personnage. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une anecdote à ce sujet. Oui, peut-être. C'est Fregnaud qui m'avait raconté. Un jour, Paulhan, qui parlait toujours avec une voix comme ça, haut perchée, jouait au tennis avec je ne sais qui. Et Paulhan reçoit une balle en plein, inattendue, en plein dans la poitrine. Alors, oubliant sa voix au perché, qui était certainement très cultivée, il a dit « Le nom de Dieu !» Et brusquement, on a compris à ce moment-là que sa voix était assez fabriquée. Sophistiquée. Voilà. Alors, vous avez travaillé donc au Cahier du cinéma, c'était l'époque de Daniel Valcroze. Alors, c'était l'époque de Daniel Valcroze, qui n'était pas très intéressant dans l'affaire, c'était le moins intéressant, mais il y avait surtout Éric Rohmer, qui était le rédacteur en chef, la cheville ouvrière, on peut dire, des Cahiers. Il y avait André Bazin, quand je suis arrivé, il y avait encore André Bazin, mais il est mort très vite, parce qu'il est mort avant 50 ans de tuberculose, enfin, il était très malade, mais j'ai eu quand même le temps de le connaître et de sympathiser avec lui, et même de lui faire faire des articles dans une autre revue où j'écrivais, la revue des lettres modernes de Minard, des éditions Minard. Et effectivement, il y avait aussi Doniol, mais c'était le côté déjà un peu bobo du parisianisme de l'époque, alors que Rohmer, c'était vraiment épatant, quoi. On aimait beaucoup Rohmer, on travaillait avec lui avec grand plaisir. C'était un homme d'une intelligence et d'une souplesse d'intelligence très, très impressionnante. Et puis qu'il y a derrière lui une œuvre cinématographique impressionnante. Une des plus cohérentes d'ailleurs de l'histoire du cinéma. Là, vous parlez d'une époque, nous sommes dans les années 60, où le cinéma représentait dans la vie culturelle en France infiniment plus qu'il ne représente aujourd'hui. Ah, oui. Nous sommes noyés sous les surproductions américaines et où il est bien difficile de maintenir des cinémas entre guillemets nationaux exprimant un génie propre. Absolument. L'époque, enfin, en 1900, disons entre 1955 et 1900,
70, un peu en gros, il y a eu 15 ans, qui ont été flamboyantes pour le cinéma international. Pas spécialement français, mais américain, italien. Surtout d'ailleurs, à l'époque, nous étions des fervents du cinéma américain. Dont nous avons découvert, d'ailleurs, quand je dis nous, c'était nous, mes amis et moi, ce qu'on a appelé les McMahoniens. J'ai formé une espèce un mot sur ce nom que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas. Pourquoi les McMahoniens? Oui, alors, voilà, les McMahoniens, ça n'a rien à voir, évidemment, avec le maréchal de McMahon, mais ça a à voir directement avec le cinéma McMahon, qui porte le nom du maréchal, et le cinéma McMahon, qui est tout à fait en haut, la nuit McMahon, et près de l'étoile. Alors, nous avions... comment dirais-je, pris possession en quelque sorte de ce cinéma, c'est-à-dire surtout certains de mes amis qui étaient beaucoup plus actifs que moi dans ce domaine et qui avaient convaincu le directeur d'orienter sa programmation vers des cinéastes américains très peu connus ou même inconnus en France à ce moment-là. Alors nous avons formé une espèce de groupe, une école, dont j'ai été le théoricien, en écrivant dans les cahiers du cinéma, et notamment un pensée, enfin une espèce de manifeste sur un art ignoré, ça s'intitulait, et qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, d'ailleurs qui avait été passé en italique par Romère, qui n'a pas osé quand même le mettre dans les mêmes caractères que les autres artistes, et il est passé entièrement en italique, et qui était le manifeste de notre école de pensée cinématographique, en quelque sorte, qui s'écartait, assez fortement, finalement, des valeurs cinématographiques défendues par les cahiers à ce moment-là, qui elles-mêmes étaient déjà des valeurs quelque peu révolutionnaires par rapport à l'idée traditionnelle qu'on se faisait du cinéma. Ils avaient découvert, évidemment, le cinéma américain, ils avaient mis au pinacle Hitchcock, Orson Welles et des gens comme ça, contre lesquels nous-mêmes nous étions assez opposés pour en apporter d'autres, comme Raoul Walsh, Joseph Losey ou Fritz Lang, surtout le Fritz Lang américain, naturellement celui de la dernière période, qui nous paraissait la plus grande de ces périodes et qui était à l'époque totalement méconnue. Moi, je me rappelle une séance à la Cinémathèque où on passait Le Tigre du Marial, des tout derniers films de Fritz Lang, et il y avait des gens qui riaient dans la salle. Je me rappelle d'ailleurs m'être levé et avoir crié « Taisez-vous, bande de cons !» ou quelque chose comme ça. Et ils se sont tus. Ah oui, oui, non, mais... L'autorité nécessaire. Quelle époque, oui. Alors, vous êtes beaucoup intéressé donc au cinéma, mais également, vous l'évoquiez tout à l'heure, aux beaux-arts et notamment à la peinture. Il y a un artiste qui a retenu principalement votre attention, c'est Chaplin Midi. Et alors, je voudrais, l'espace d'un instant, citer ce qu'il dit à propos, à l'époque, à propos de ce qui est à l'œuvre dans l'art d'aujourd'hui. Les forces de destruction de l'esprit sont internationales et un couvercle est mis sur tout ce qui s'y oppose. L'État, quelle que soit sa couleur, encense cette subversion et l'officialise. Les médias s'y prêtent. Je suis sûr qu'on assistera à un retournement brutal dans les temps futurs. Je ne le verrai pas, mais je veux y croire. C'est quand même une vision des choses quasiment prophétique par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui dans ce domaine. Alors, ce que vous voulez dire, c'est l'extrait d'une lettre qu'il m'avait envoyée. Mmh. Il m'écrivait beaucoup, j'ai une masse de lettres de Chaplin Midi, que j'aimerais bien d'ailleurs publier un jour. Il faudrait en faire quelque chose, parce que ce sont des lettres toutes de cet acabit-là. Hein. C'est vraiment... il parlait constamment de cette façon-là, de l'art contemporain et de ce qu'il pensait de l'avenir des arts. Et c'est un homme que j'aimais énormément, que j'ai bien connu, à qui j'allais rendre visite souvent dans son hôtel particulier. Enfin, c'est une petite maison tout en hauteur qui était dans le 5e arrondissement, j'ai oublié le nom de la rue, mais c'est dans mon livre, qui a servi de modèle à la pension Vauquier de Balzac. C'était dans cette maison-là qu'il habitait, il avait son atelier, etc. Et c'est d'ailleurs là qu'un jour il m'a dit, parce que je lui avais dit que je préparais la publication d'un roman à la table ronde, la chanson de Maglone, et il m'a dit, mais écoutez,
Parce que je lui avais fait lire un peu mon manuscrit. Il m'a dit, j'ai quelque chose pour vous, si vous voulez, une couverture. Et il m'a donné un dessin magnifique. Il est magnifique, effectivement. Mais c'est encore il est reproduit dans votre livre. Il est reproduit, mais il est évidemment plus beau en couleur. Mmh. Et puis en plus, il est un peu simplifié. Alors il est beaucoup plus beau sur la couverture originale. Voilà. Et alors en matière de peinture, et cela peut paraître surprenant, vous êtes prof d'un artiste comme Chaplin Midi, mais vous témoignez aussi d'un grand intérêt pour Georges Mathieu, qui apparaissait un peu comme le pape de la peinture abstraite et que l'on avait l'habitude, par automatisme, d'opposer à des gens comme Chaplin Midi, Braillard, quelques autres à l'époque. Oui, alors j'ai été effectivement très ami avec Mathieu, je l'ai fréquenté pendant des dizaines d'années, et j'ai découvert, plutôt c'est lui qui m'a découvert, en toute modestie, hein, je dis ça bien sûr, mais au moment où je faisais Mathieu, oui. Il m'a écrit en me disant, on lui avait envoyé sans doute deux ou trois numéros, comme on le faisait un peu à tout le monde, on faisait un service de presse considérable, et il avait lu ces numéros, il m'a écrit une lettre dans ses caractères calligraphiés extraordinaires dont il se servait pour écrire ses lettres, et notamment les enveloppes. Sont superbes, moi j'ai tous ces enveloppes, je vais les faire encadrer un jour, parce que je dis, non, c'est beau. Et il m'a écrit en me disant, je ne sais pas si nous avons les mêmes goûts, c'était pas ça exactement, mais je crois que nous communions dans la même espérance. Bon. C'était assez beau. Hein. Donc, j'ai pris contact avec lui, évidemment, à ce moment-là. Je ne l'ai pas rencontré tout de suite, d'ailleurs. On a correspondu un peu. Et puis, un peu plus tard, il m'a invité à ses expositions. Je l'ai rencontré, là. Et je connaissais sa peinture, bien sûr, avant. Et sa peinture me plaisait. Alors, je ne suis pas du tout un partisan de l'art abstrait. Mm-hmm. Ce qu'on appelle l'art abstrait, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment un mot très bien choisi, puisque tout art est abstrait. Dans la mesure où il est abstrait du réel. Bon. Oui, mais on comprend quand même ce que ça veut dire. Mm-hmm. L'art informel, disons. Figuratif. Non figuratif, voilà, c'est encore mieux de dire ça. Et j'avoue que je n'ai jamais éprouvé de sensation d'exaltation en voyant des petits carrés, des traits. Voilà. Bon, j'ai jamais éprouvé quoi que ce soit. Mathieu est d'une autre classe. Et alors, j'avais toujours en tête quand même la phrase de ce peintre surréaliste dont le nom m'échappe pour l'instant, et qui avait dit le premier peintre de la peinture abstraite a tout dit la première fois. Et il n'y avait plus rien d'autre à faire après. Et c'est vrai, d'une certaine façon, c'est vrai. Bon, c'est-à-dire que, une fois qu'on a montré qu'on pouvait faire avec des couleurs quelque chose qui pourrait s'apparenter vraiment à la musique, c'est-à-dire des alliances et des chocs entre les couleurs et les formes, après, on a montré ça, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Hein, c'est... Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Michel Mourlet, « Une vie en liberté » aux éditions Séguier. Nous n'avons fait qu'effleurer la richesse de la matière qui est présentée dans cet ouvrage. Nous allons vous laisser partir avec beaucoup de regrets parce que votre livre fourmille d'anecdotes et de rencontres et de merveilleuses portraits. Et de portraits. Alors, Druon, plein de gens sur lesquels on aurait aimé vous entendre, mais on renvoie nos téléspectateurs à votre livre, ils ne s'ennuieront pas et ils auront l'impression de découvrir une vie bien remplie. Eh bien, merci, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie infiniment de m'avoir reçu d'une manière aussi sagace et aussi pertinente. Et chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Restez avec nous, restez-nous fidèles.